J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo haul. Oui, un haul, ça faisait longtemps, j'ai envie de te dire, chez Noz. Ce week-end, je suis allée me balader chez Noz Action, obligée, hein. Et j'ai fait quelques petites emplettes que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va commencer parce que, à mon sens, c'est le moins intéressant, la nourriture, quoi. Donc là, j'ai acheté une boisson citron concombre fleur de sureau à 45 centimes, comme ça, de la marque Blended The Crackers Drink. On verra ce que ça donne. Hop là. Ensuite, on a acheté des petites salades de riz. Donc là, c'est une salade riz, lentilles et légumes. Donc comme ceci, à 80 centimes. Donc c'est végétarien. On en a pris deux vertes, donc ouais, aux légumes. On en a pris deux mélanges de céréales, légumes. Donc voilà, comme ça. Donc les jaunes. Et on en a pris deux pesto, tomate, quinoa, riz. Hop, comme ça. Donc voilà. Mon homme en a déjà mangé une. Il a bien aimé. On a pris deux boissons Buddha Water Cranberry. Donc en fait, c'est des... C'est de la sève de bouleau et on avait envie de tester ça. Donc on aimerait bien récolter de la sève de bouleau l'année prochaine. Donc on s'est dit qu'on allait goûter avant. Ma foi, c'est pas mal. On continue avec du lait de soja, caramel et orge comme ceci à 99 centimes. Donc c'est vraiment pas cher pour du lait de soja, ça coûte une blinde. Donc on en a pris deux comme ça et deux miel et sarrasin comme ceci de la marque Soy. Donc voilà, bonne affaire à ce prix là. Et le dernier truc en nourriture, c'est des olives vertes que, hop là, j'ai payé 1,20€. Ensuite, j'ai trouvé des petites pipettes en fait antiparasites. Contre bah, tous les parasites hein, que les chiens peuvent avoir. Donc des petites pipettes comme ceci. À l'intérieur il y en a deux et j'ai payé 79 centimes. Donc là c'est pour les chiens de 2 à 15 kilos. J'en ai pris 3 pour mes 3 chihuahuas. Et on en a pris pour les chats, des comme ça, à 79 centimes, toujours 2. On en a pris 3 aussi parce qu'on a 3 chats. Donc voilà, on a regardé les avis sur internet. C'était plutôt pas mal. Ça coûte un peu plus de 5€ en temps normal. Donc bah, c'est une bonne affaire, 79 centimes. Et je me dis que même à 5€, si c'est efficace, bah voilà, tu peux racheter à ce prix-là. Même 5€ pour être tranquille, c'est pas mal. Ensuite, j'ai acheté une petite carte à 75 centimes, comme ça, avec un petit chat qui y a écrit « Geek » sur son pull. Parce que le 2 juillet, c'est l'anniversaire de mon fils. Et bah, je vais lui écrire un petit mot, puis lui mettre quelque chose dedans, donc il sera content. Ensuite, alors j'ai mis un truc dedans. Hop là. J'ai acheté une petite boîte comme ceci, donc c'est une petite boîte en métal. Elle est vert sapin, on va dire, hein, vert canard, hein, vert un peu bleuté. Avec une petite feuille, un petit couvercle, tac. Je l'ai payé 99 centimes et ça, en fait, je l'ai acheté pour faire du geocaching, pour mettre une petite cage dedans. Parce que vous le savez, on a commencé le geocaching il y a maintenant un petit peu moins de 2 mois. Un peu moins de... Oh, merde! Pardon. Un peu moins de 2 mois, je vais y arriver. Et on a déjà mis 4 caches en place et donc ça nous éclate autant d'aller les chercher que d'aller les poser. Donc du coup je me suis dit que là ça ferait une petite cache. Oh, une petite cache sympa. Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres de la marque Début. Donc j'en avais pris deux, celui-ci et une autre teinte. Mais je sais pas si vous voyez ce que je vais parler, mais dans les paniers Noz, il y a toujours des trous. Et j'ai beau essayer de mettre mes affaires dessus pour pas que ça tombe, et bah il y en a un qui s'est barré, je ne sais où, et je l'ai pas retrouvé. Donc il est comme ceci. Il n'y a pas une... Enfin, ouais. Et voilà la teinte, c'est celui que je porte. Donc on est clairement sur un nude avec beige rosé, quoi. En ce moment, j'avais envie... voilà, je trouvais que ça passe bien. Par exemple, là, je suis quand même assez maquillée au niveau des yeux. Et je me suis dit qu'un petit nude, ça pouvait passer pas mal. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une paire de chaussures à 1,99€, comme ceci.
Donc j'en enlève une pour vous montrer. C'est, vous savez, c'est les petites chaussures. Oh, je suis en train de faire un nœud. Voilà. C'est les petites sandales comme ça où tu mets le autour de la cheville, quoi, la ficelle. On va dire ça comme ça. Il y avait cette teinte-là et la teinte léopard jaune, quoi, mais il n'y avait pas ma taille. Donc je me suis dit 1,99€. Voilà, quoi. Même si ça fait que l'été, ça fera très bien l'affaire. Ou pour traîner à la maison, je serai très contente. Ensuite, j'ai trouvé un contour des yeux. Thé vert et aloe vera. La marque, je ne sais pas, puisqu'ils ont mis leur étiquette dessus. Faudrait que j'enlève l'étiquette et voilà quoi. Ah si, c'est là. Cyclax Nutressa. Là le nom. Et donc c'est un petit pot comme ça. Ça m'a fait un peu penser au pot chez Axon à la gelée d'escargot. Et c'est un gel comme ça. Qui sent très très bon. Donc j'ai pas de contour des yeux. J'ai jamais testé à part l'espèce de roller que je ne sais pas où j'ai mis d'ailleurs. Un espèce de roller chez Action, voilà ce truc-là, là. Mais clairement, je suis obligée de passer pendant 20 ans pour avoir du produit. Et je m'irrite plus le contour des yeux à passer dessus plutôt qu'autre chose. Donc je me suis dit que j'allais tester ce petit produit-là à 1,50€. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai acheté deux crèmes. Je vérifie que c'est bien des crèmes. Je me gratte le pif comme toujours. Oui, c'est deux crèmes. Donc celle-ci, donc c'est une lotion corporelle, c'est écrit dessus en plus, mais bon, c'est pas grave. Donc ça vient d'Angleterre, c'est la marque Grasscol et c'est vanille blush et pony, donc pivoine et vanille quoi. Comme ceci, donc c'est un petit flacon qu'on ouvre comme ça. Et franchement, l'odeur est terrible. Ah, elle sent vraiment très 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 bon. Je l'ai payé 2,99€ et je vous avoue que je l'ai pris vraiment pour l'odeur parce que j'adore l'odeur. Et j'en ai pris une deuxième orchidée ambre, incense, je sais pas c'est quoi. Et là il y a un petit pompon en fait, l'autre, bah, le pompon il s'est barré quoi, c'est dommage, je trouvais ça mignon. Enfin, en soi c'est pas hyper utile, mais j'aimais bien. Et là l'odeur, j'aime bien aussi, mais je préfère le rose. J'aime bien aussi, mais ma préférée, c'est celle-ci, la Vanille Blush Pony. Donc pareil, 2,99€. Il y avait les crèmes pour les mains au même prix. Mais clairement, j'ai un panier rempli de crèmes pour les mains. Je me suis dit, rachète pas encore une crème pour les mains. Finis ce que t'as, table. Ensuite, j'ai trouvé une brume parfumée pour le corps. Citron et herbes aromatiques. De la marque Eau des Alpes. Alors, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai entendu que la marque Eau des Alpes, ça coûtait une blinde. Donc là, c'était à 1,50€. Donc, je me suis dit, on va les prendre. Et ça sent tellement bon. Ah, celle-là, j'adore, j'adore, j'adore l'odeur. Et ça m'a fait penser un petit peu aux brumes qu'on avait chopées, fut un temps. À ça, là. Au Verger Shop. Ça m'a fait penser un peu à ça. Du coup, j'ai pas hésité, moi, les brumes, j'en mets tous les soirs, j'adore ça. J'ai pris également celle vanille et fruits, toujours de la même marque. Elles sont très très bonnes aussi. Franchement, c'est hyper gourmand et tout. J'adore. J'ai pris agrumes épices, comme ceci. Je crois que c'est celle que j'aime le moins de toutes. Bah, c'est pas que j'aime moins, c'est que c'est très très boisé. Ça fait un peu masculin. Bon, moi j'adore les odeurs boisées, mais c'est vrai que ça fait masculin quand même. Je suis pas sûre que si je mets ça au lit, mon homme il va me dire t'as craqué ou quoi, tu sens le mec. Et j'ai pris une eau parfumée hydratante. Donc les autres c'est juste des brumes parfumées. Là c'est une eau parfumée hydratante. C'est pas tout à fait pareil. À 1,50€, rose violette, comme ceci. Et ça sent très très bon également. J'ai pris les 4 senteurs qu'il y avait dans mon nose. Donc voilà, j'ai pas hésité. Je me suis dit, on embarque. Ouais, tout va se casser la binette. Je vais les laisser là. Et le
dernier article que j'ai acheté chez Noz, c'est une casquette rose que j'ai payée 2,99€ et j'ai juste été obligée de la prendre quoi. Il y avait d'autres teintes, il y avait la visière rose et la casquette noire, ou en ce sens là mais le rose était un peu plus clair. Il y avait des violettes et celle-ci, et donc il y a écrit I love haters, et voilà, je trouvais que ça allait juste trop bien pour moi, pour ma chaîne, voilà. Je trouvais ça juste trop mignon. Donc je la trouve trop belle, franchement c'est une bonne qualité et tout quoi. Bon là je peux pas l'essayer parce que voilà j'ai mes escargots là. Mais franchement je la trouvais trop trop belle et ça c'est sûr que je vais vous faire une vidéo avec ça sur la tête parce que je la trouve trop mignonne. Et voilà. Voilà voilà. Je vous ferai certainement une vidéo sur un retour en fait sur une de mes vidéos uniques qui a fait un scandale. C'est là où j'ai le plus de pouces rouges et où j'ai le plus de commentaires et je me suis dit que ce serait sympa de relancer un petit peu le débat quoi, tu vois bien. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça va vraiment pas tarder puisque là j'ai un haul action à vous lancer dans la foulée. Parce que vous savez que les hauls Noz et action, j'aime bien vous les mettre direct. Parce que je vois pas l'intérêt, genre je suis allée à Noz il y a 3 semaines, je vous montre des trucs mais vous pourrez pas les trouver. Je trouve ça complètement con. Donc je les fais vite, je vous les mets et comme ça vous avez le temps d'aller fouiner, trouver des trucs en commun si ça vous intéresse. Voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous.